Chez les Macron, on a le sens de la famille. Quand il y a un coup de tabac, quand les nuages s'amoncellent, tout le monde sur le pont, on se retrousse les manches et on se mobilise et on écope. C'est émouvant, cet esprit de solidarité intergénérationnelle, surtout en plein Covid. Tout cela dans le respect des gestes barrières, naturellement. Alors, quand Manuchon traverse une mauvaise passe, que ça tangue rue du Faubourg-Saint-Honoré, qu'il a du mal à tenir la barre, la famille accourt à sa rescousse. Et qui c'est qui est venu récemment à la rescousse de Manuchon? Eh bien cette fois, ce fut belle fifille. J'ai nommé Tiphaine Ozière, la fille à tant de brichetons, un charmant brin de jeune femme que Manu aurait pu avoir l'idée de courtiser il y a quelques années s'il n'avait pas préféré partir avec maman. Moi, personnellement, j'aurais préféré... Non, pardon, je m'égare, à chacun son choix, fermons la parenthèse. Donc, Tiphaine Ozière, très certainement dûment chapitrée par les communicants de l'Élysée, s'est fait un devoir d'aller défendre la politique de beau papa Manuchon sur les plateaux de radio. Un coup de main sûrement appréciable en ces temps troublés. Ainsi donc, Europe 1 la présente comme, je cite, « une avocate et femme engagée ». Mais ne pipe mot, bien évidemment, sur les liens qui l'unissent aux locataires de l'Élysée. En effet, cela aurait fait désordre. Il vaut bien mieux pour la communication présidentielle que l'on croit qu'il s'agit d'un avis impartial, venu de la soi-disante société civile. Quand je pense que dans le même temps, Canal+ repoche à CNews, mais à CNews seulement, son manque d'honnêteté. Bref, monde entier en tremble de fureur rien qu'à en parler. Bien, revenons à Madame Ozière. Les médias, sous Macron.com, c'est Uberois ou Kafka au choix. Ainsi donc, sous couvert d'un quasi-anonymat, la séduisante Tiphaine a pris la parole d'un ton docte pour faire de la pédagogie, puisqu'il paraît qu'en politique, il n'y a que ça qui marche. Elle s'y connaît, la tiftouille, en pédagogie. Elle n'est pas fille de prof pour rien. Il ne manquait plus sur le plateau d'Europe 1 que le tableau et la craie. Un peu de pédagogie sous un vernis philosophique de bon aloi. Je cite, « La liberté ne consiste pas, consiste à ne pas faire ce qui nuit à autrui. » Et blablabla, et blablabla. Ou, « Si j'accepte un encadrement temporaire de mes libertés, le doux euphémisme, j'assure la protection de tous, et particulièrement des plus faibles. » Reblablabla, reblablabla, reblablabla. Comme on le dit désormais toutes les deux phrases, à temps mais surtout à contre-temps, c'est trop mignon. Une belle fille avocate de surcroît qui défend aussi consciencieusement les restrictions de liberté décrétées par beau papa, dépeinte sous la douce expression d'encadrement temporaire des libertés. C'est trop bien, comme on le dit désormais toutes les deux phrases, à temps mais surtout à contre-temps. On dirait presque que c'est tiré d'un manuel de philosophie rédigé par la députée Obono et le clan Traoré. Finalement, qui l'eût cru? Chez Manu, la famille, c'est une valeur sacrée. Sur cette conclusion inattendue, je vous souhaite une très belle soirée et vous dis à demain. Confier à Canal+ le soin de constituer un comité d'éthique, c'est à peu près aussi comique que de faire élire pape le sultan Erdogan ou d'imaginer que Mélenchon convole en juste noces avec Marine Le Pen. Car il y a comme qui dirait un petit hiatus entre les habitudes, le discours, le savoir-faire de Canal+, et ce qu'on attend d'un comité d'éthique tic-tac, tic-tac. Eh bien, ce n'est pourtant pas une blague, cet honorable comité existe bel et bien. Il est composé de 5 membres, dont un ex-patron de chaîne et des magistrats quand même. Du beau linge, la fine fleur de la bien-pensance. Il se réunit très rarement. Ce qui est normal car il fonctionne comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'est saisi que pour les cas graves. Notre comité s'est réuni récemment car la situation est grave. Très grave. Gravissimement grave. À l'ordre du jour, analyser le dernier grand péril des temps modernes, l'émission
Face à l'info de la chaîne CNews et la performance journalistique chaque jour couronnée d'un nouveau succès d'audience d'Éric Zemmour, l'homme que veut abattre le tribunal révolutionnaire du politiquement correct. Le comité de salut public de la pensée s'est donc réuni et son verdict est tombé comme le couperet de la guillotine. Zemmour n'a rien à faire à une heure de grande écoute de 19h à 20h. Je cite, « L'émission Face à l'info ne peut pas continuer à être diffusée sous sa forme actuelle. » Fermez les guillemets. Clair, limpide, net et sans bavure, c'est beau comme du Goebbels dans le texte matiné de Trotsky. Nous considérons, disent en substance les comités du comité, que la prise de parole télévisuelle du camarade Zemmour devant les autres camarades nuit à l'édification de la société que nous voulons. Car, et là, je recite, Zemmour a fait preuve d'un manquement à l'honnêteté. Vilain méchant Zemmour, tu n'as pas honte d'être malhonnête, tu mériterais une bonne vieille raclée. Une telle ineptie, venant de Canal+, disons-le tout net, cela est savoureux, délectable, immensément jouissif. Un manquement à l'honnêteté. Canal+, repère de journalistes gauchistes corrompus jusqu'à la moelle depuis 2200 ans avant Jésus-Christ. Canal+, dont le grand journal fut en son temps salué par Alain Finkielkraut comme étant le témoignage d'une, je le cite, « arrogance absolument fanatique et d'une bien-pensance en béton armé ». Ce sont les termes du philosophe. Canal+, qui soutient toutes les créations cinématographiques les plus idéologiquement marquées et les plus sexuellement perverses. Chaque membre du comité d'éthique de Canal+, bénéficie désormais d'un respirateur artificiel de fonction, car il manque de s'étouffer à chaque fois que Zemmour ouvre la bouche, comme Zemmour l'ouvre tous les jours. Le comité appelle donc tout simplement en bonne instance stalinienne qui se respecte à la censure. Coupons la parole à Zemmour, pour le moment, la parole seulement. Pour le reste, on verra plus tard. La conclusion du rapport du tribunal de la Grande Purge est véritablement fascisante. Je voulais dire fascinante. Je cite « L'émission doit s'ouvrir davantage à la diversité des opinions dans le respect de leur expression contradictoire, ce que ne permet pas son organisation actuelle autour d'un éditorialiste vedette. » Traduction, Zemmour, mon pote, dehors. Bref, il faut une fois de plus tenter de faire taire celui qui dit la vérité. Là où cela devient compliqué, c'est que l'émission connaît un succès extraordinaire et croissant. Vincent Bolloré, à qui appartient CNews, sait bien où se trouve son intérêt, qui est aussi celui de la France. Cela tombe bien, Vincent, sois fort et grand, tiens bon mon gars. Sur cet appel pressant au grand Vincent, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Je voudrais revenir ce soir, avec un décalage dans le temps, sur la mort de deux personnes emblématiques, George Floyd et Samuel Paty. Deux pères de famille, deux morts violentes, deux traumatismes publics. En apparence, et sous l'empire de l'émotion, deux mises à mort sanglantes pour des questions hautement piégées et sensibles, la couleur de peau d'une part pour Floyd et la liberté d'expression et l'islam d'autre part pour Paty. Compte tenu de ces éléments, l'on aurait pu croire que les opinions internationales, promptes à s'enflammer, auraient pris le parti de considérer que la mort de ces deux personnes était particulièrement injuste et honteuse. Il en a été tout autrement. Analysons cela de plus près. Analysons d'abord le cas de George Floyd. Comme nous le savons, lorsqu'il a été arrêté et que son arrestation a abouti à sa mort, il n'était pas ce que l'on pourrait appeler un innocent. Il était en fait un repris de justice, cela n'enlève rien au drame de sa mort, mais il importe de rappeler les faits tels qu'ils furent. De son côté, Samuel Paty, le prof d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, lorsqu'il fut sauvagement décapité, était lui totalement innocent, bien sûr.
Pourtant, le système médiatique mondial a une nouvelle fois révélé qu'il y a les bonnes causes, comme le combat contre le racisme, et les mauvaises causes, comme le combat contre l'islam. Le défendable et l'indéfendable. En bonne logique, la planète tout entière s'est mise à feu et à sang pour défendre la mémoire de George Floyd, le repris de justice, mais est restée étonnamment discrète sur l'horrible décapitation de l'enseignant français, professeur bien innocent. Dans le cas de Floyd, le coupable a été immédiatement identifié et dénoncé, le flic, le blanc, le raciste. Dans le cadre de Samuel Paty, les choses étaient plus compliquées. La victime était blanche, le tueur ne l'était pas et était musulman de surcroît. Or, pour les experts en bien-pensance de tout poil, le gentil est automatiquement ou presque le musulman, le migrant, le réfugié, et le méchant, de son côté, est toujours le vilain blanc raciste. Alors, comment traiter médiatiquement l'affaire Paty ? Bien sûr, l'assassinat de Conflans a été repris par les médias étrangers, mais juste ce qu'il faut. Pas un mot de plus, pas un mot de moins, et sans excès d'émotion. La palme revient sans doute à Ursula von der Leyen, la doucereuse et implacable présidente de la Commission européenne, qui s'est fendue d'un tweet dégoulinant de fadeur et de politiquement correct. « J'ai appris avec horreur l'assassinat d'un professeur à Conflans-Sainte-Honorine. J'adresse mes condoléances à sa famille et aux Français. Mes pensées vont aussi aux enseignants en France et partout en Europe. Sans eux, il n'y aurait pas de citoyens. Sans eux, il n'y a pas de démocratie. » De l'islam, chère Ursula, as-tu parlé ? Non, évidemment, pas un mot. La presse anglo-saxonne, de son côté, a déployé toute son énergie pour maquiller l'affaire. Le New York Times a trouvé le moyen de titrer sur les violences policières. Là, pour sûr, le vrai scandale est que le meurtrier de Paty ait été abattu par la police. Quelle honte ! Finalement, le journal a retiré cet invraisemblable article sans pour autant faire amende honorable. Quant à la chaîne de télévision NBC, elle a laissé sous-entendre que le professeur l'avait bien cherché et qu'il était prévenu du danger qui le menaçait. Il est donc manifeste que l'islamo-gauchisme est une maladie très répandue qui ne sévit pas que dans les rangs des partis de gauche et des syndicats français, mais prospère sur la planète tout entière. Nous aurions pourtant souhaité que la prise de conscience de l'horreur de la décapitation du professeur de Conflans Sainte-Honorine soit planétaire. Ce sera pour une autre fois, ou pas. Sur cette triste conclusion, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. La capitale de la France se meurt sous les coups croisés du coronavirus et de la gestion socialo-écolo-bobo d'Anne Hidalgo. Mais l'urgence n'est pas là. Le vrai problème aujourd'hui, la question angoissante que se posent les Parisiens, de toujours, de résidence et de passage, d'hier et de demain, d'avant-guerre et d'après-guerre, c'est celle-ci. Tenons-nous bien, car le sujet est primordial, prime sur tout le reste, est totalement central. Ce sujet est « Quid des salles de shoot ?» En pleine pandémie, en pleine crise des théâtres, des cinémas, des bars, des restaurants et j'en passe, comment se piquer tranquillement ? C'est vrai ça, en voilà une bonne question qu'elle est bonne. Je suis sûr que vous ne vous l'étiez pas posée, et ça vraiment, c'est moche. Et moi non plus d'ailleurs, et ça, c'est doublement moche. Heureusement, Anne Hidalgo pense pour nous, et y a pensé elle. Et son objectif actuel, c'est que Paris soit, je la cite, « au plus près des toxicomanes ». En langage propre à une municipalité de gauche, elle a causé ainsi. Il faut, j'ouvre les guillemets, atteindre les personnes qui se trouvent sur les scènes de toxicomanie, fermez les guillemets. C'est-y pas bien dit? Il faut au moins avoir fait Sciences Po avant la suppression du concours d'entrée, plus une école de journalisme nord-coréenne pour sortir une formule pareille.
Pour parler plus simplement, il faut ouvrir une nouvelle salle de crack et crack boom U, comme dirait Jacques Dutronc. Bien, parfait. Mais où l'ouvrir ? Plusieurs localisations sont envisagées, près de la fameuse colline du crack, dans le 18e, Montmartre, c'est has-been, ou près du cloaque des Halles, en plein centre de Paris. Et nous sommes totalement rassurés, il y aura une grande consultation citoyenne auprès des habitants concernés. On est démocrate participatif ou on ne l'est pas. Les associations de riverains, comme nous pouvons nous en douter, ne sont pas fana-fana de l'idée. Mais le problème, c'est que comme personne ne se déplace pour participer à ces fichues consultations, Hidalgo joue sur du velours et risque bien de l'avoir, sa nouvelle salle de shoot, avec son cortège de misère humaine qui va l'accompagner. Trafic, délinquance, violence, chute de l'immobilier, fermeture de commerce, j'en passe et j'en trépasse. Mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et les œufs, c'est... voilà, il faut les casser pour faire une omelette. Et de même, ben, on ne remplit pas vraiment une seringue sans poudre blanche. Être au plus près des toxicomanes, ça n'a pas de prix. Alors, pourquoi encore une énième chronique sur Paris ? Franchement, est-ce que ces élucubrations hidalguistes concernent les bons Français du Berry et de Gascogne, de Lorraine ou du Roussillon ? Mais oui, hélas, parce qu'il se murmure en haut lieu que la folle dingo d'Hidalgo rêverait de s'installer à l'Élysée. Ce qui serait pour elle le meilleur moyen qu'elle ait trouvé pour quitter l'hôtel de ville, suivi par son cortège de rats, et pour s'installer dans le palais de l'Élysée et donc rester à Paris. Elle piaffe donc d'impatience à l'idée de se présenter en 2022 et de rafler la mise face à un Macron désintégré et une droite en déliquescence absolue. Donc, méfiance et vigilance, car si elle gagne, nous savons ce qui nous attend, ça va craquer partout. Sur cette conclusion toute craquante, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.